23. Eh oui, on dirait aussi au jour 23, comment le temps passe vite. Hein. Comment le temps passe vite. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'est une journée sans uniforme. Il fallait juste que tu t'habilles en rouge, noir, bleu ou blanc. Ouais, je mets mon rouge et je mets mon jogging noir. Simple, you know. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est enfin la dernière journée d'école. On fait pas grand chose à l'école aujourd'hui. J'ai essayé de faire beaucoup de snaps pour vous les mettre ensuite dans le vlog. Mais je vous garantis rien. Donc voilà. Faut que je me prépare. Donc on y va. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, bells. D'aller à la maison et il est aujourd'hui genre 3h30. Bon, alors ma mère m'a apporté une maison en pain d'épices pour que je la fasse parce que je lui avais dit moi je voulais un truc en pain d'épices, même si on est le 24 et même si nobody va le manger parce qu'on s'entend que c'est dégueulasse. Donc c'est ça que je vais faire. Je vais vous filmer genre en rapide comment je vais faire. Donc on va se quand on... Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, 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 voilà, et devinez avec qui je suis. Papa, papa, c'est avec Jenny sur Skype, la revenante. Gang. Et on s'est jamais perdu de vue, les gens. Non, 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 on a toujours fait du Skype et tout. Là. Qu'est-ce que j'allais dire? Et email. Hein?
En tout cas, ça fait 1h33, je viens de voir qu'on est en train de parler. Mais en fait, vous n'avez pas compris. Pendant une heure, on n'a pas parlé. Elle est en train de lire. Et pendant 33 minutes, c'est là qu'on parlait. Même pas. Oui! Elle, j'étais en train d'en parler des cadeaux, puis elle disait, je dis, fais la convo et tout. Non, elle parle pas. Regardez. Je suis occupée dans la lecture. Est-ce que vous pouvez croire? Joanie lit. Mais c'est quoi toi? Joanie lit. Joanie! Hey, ça là, c'est une bonne nouvelle. Hey, à vous. Joanie, explique-nous qu'est-ce que tu vas faire pour Noël? Ah non, laisse faire, j'ai plus de batterie. Merde. Peace, j'ai plus de batterie. Peace. Joanie. Oh, bitches. Hello. Il est rendu 9h30. Je me suis baignée. J'ai dû laver mes cheveux parce que, ben, y en a. Donc, je sais que ce vlog n'a pas été très très long, mais j'imagine, parce qu'il me manque juste cette partie à mettre dans mon vlog et j'aurai fini. Mais j'ai essayé de vous filmer le maximum. Mais avant de vous laisser, je vais vous raconter qu'est-ce que j'ai fait après l'école parce que je suis sortie vers quoi, 11h30, quelque chose comme ça de l'école. Au métro, on est arrivé peut-être vers midi, je sais pas, quelque chose comme ça. Je m'en rappelle plus trop. Et on est parti à Vendôme, où il y a la West Side et tout ça. À la base, on devait pas y aller. Okay? On a accompagné une amie. On va l'appeler X, ok? Donc j'étais avec, on devait accompagner, on devait pas accompagner, en fait, ok? X devait aller voir une amie qui habite hyper loin et qui était à l'école, donc elle devait le rejoindre à son école, qui font une grosse fête, nanana. Mais là, hein, nous, quand on a su que c'était à Vendôme, moi et une autre fille qu'on va appeler Y, on est genre, tu vas aller là-bas, toute seule, toi, comme ça? À Vendôme, là-bas, il y a des bâtards. Tu te fais violer, bâtard. Et il y a des bâtards là-bas. Et on l'a traumatisé, mais on a abusé quand même. Comme, à la base, on voulait juste lui dire, fais attention. Mais là, elle a vraiment été choquée. Elle est comme, l'espère, j'y vais plus. On s'en va, tu entends ensemble. On s'en va. Là, je suis comme, non, mais je me sens mal et tout. Après, je suis comme, est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Après, elle est comme, ouais. Après, je demande à Y si elle veut venir. Parce que je voulais absolument qu'elle vienne aussi. Donc je dis vas-y Y, viens, on ira. On ira. Et c'est ça. Et on avait tellement peur. Genre, est-ce que vraiment on le fait? Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on est comme... Genre, on n'avait rien dit à nos parents, tout ça. Moi, c'était pas vraiment mon problème. Moi, mes parents, ils s'en foutent. Là. Je l'ai dit à ma mère quand elle comme... Mais vraiment, eux deux, c'était le problème. Par contre, X, son père le savait, mais pas sa mère. Bon, c'était trop drôle. Donc, on est allé. On avait tellement peur dès qu'on voyait des gens fucking bizarrement. On est sorti du métro. Je suis comme, les filles, votre sel, vous le sortez pas. Et le pire, c'est que mon ami Y, elle a un iPhone 7. iPhone 7. Donc là, je suis comme, sors de toi, cache ton vieux téléphone là. Cache ton téléphone là, que ce soit vieux, nouveau là, cache ton téléphone. Parce qu'ici, il y a des bâtards et tout. Donc là, on court pour aller prendre la 90, mais c'était Est, donc on avait pris la mauvaise. Donc on lui demande est-ce que c'est la Ouest? Il me dit non, c'est de l'autre côté. Ensuite, on va voir un autre monsieur, où est-ce qu'elle est la 90 Ouest? Après, il nous montre. On attend environ 5 minutes. L'allée. Il faut faire tout l'allée parce que au terminus, c'est là qu'on s'arrêtait à l'école. J'ai oublié comment elle s'appelle. Elle a un nom fucké, même t'es à Vendôme là. Elle a un nom vraiment fucké. Et l'autobus, il a tourné comme 30 fois. Je vous jure, ça nous a pris 15-20 minutes à arriver. Et là, j'étais choquée. Combien de temps ça nous a pris? J'étais choquée. Donc, c'est ça, on y va. Et on voyait des filles de Villa Maria et tout ça qui parlent anglais. Et que nous, on se pensait un petit peu dramatique. Tu vois les filles comme ça? Mais elles sont pires. Tu fais ça avec leur peau. Ouch! Oh my fucking god! I was like, are you serious? Seriously? Bro!
Donc, voilà. Après, on est allé et tout. On a vu son ami et tout ça, que moi aussi je connaissais. On est resté pas trop longtemps là parce que ben on pouvait pas revenir trop tard non plus. Et on est revenu. Et comme à la fin, pendant le trajet de retour, c'était beaucoup plus rapide. Mais moi, je suis quand même. J'arrive pas à croire qu'on l'a fait. J'arrive pas à croire qu'on l'a fait. Qu'on est parti, qu'on est allé parce qu'on devait vraiment pas le faire en fait. C'était vraiment bad. Voilà une petite histoire du jour. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Et moi, je vous retrouve demain. Bye!